les voitures derrière des barrières, oui, oui, sortir de possession, ça pas d'âme. Monsieur l'administrateur suppléant de la Fédération française des véhicules d'époque, Collège des musées de France, et directeur du musée automobile Reims-Champagne, représenté par son vice-président. Un immense honneur de vous recevoir à l'occasion du premier anniversaire du musée automobile de Laon, et je commencerai par cette phrase célèbre de Georges Pompidou, « Les Français aiment la bagnole ». Les voitures présentées dans notre musée retracent toute cette histoire automobile, et nous avons pris le parti de les laisser dans leur jus, ce qui préserve leurs âmes pour ces voitures. N'en déplaise à personne. Oui, les voitures ont migré de Crépy à Laon, où 58 voitures étaient exposées, mais ici, dans ce local, nous proposons près de 80 voitures aux visiteurs, soit 22 voitures de plus. Si ça, ça n'a rien d'exceptionnel, je ne comprendrai rien. Le musée possède la Mercedes de M. Jean Amadou, et en ce premier anniversaire, j'ai une pensée particulière pour ce grand monsieur. Nous présentons également le Range Rover de Franz Hummel, détenteur avec ce véhicule du record du monde de la traversée de l'Afrique en solitaire. Et tout à l'heure, une surprise vous attendra. 10 années de travail colossal ont permis de rassembler une collection extraordinaire de souvenirs pour le plaisir de tous. Le caractère de ce musée, c'est bien de rassembler un nombre considérable de voitures dites populaires. Au fil des années, les visiteurs découvrent à la fois les évolutions des véhicules et le mélange des périodes, comme pour mieux faire comprendre comment la voiture se perpétue au-delà des époques. Nous n'avons jamais baissé les bras, toujours cherché des solutions, trouvé des idées, rebondi et surmonté les obstacles. Le musée automobile de Laon, il est oublié d'être cité dans les discours, et c'est une bagarre de chaque instant pour être référencé en tant que lieu touristique et culturel. Il m'a même été rétorqué qu'un musée automobile n'est pas de la culture. Encore un grand merci à M. le maire, au conseil municipal de Laon et surtout à Sylvie Blotto, conseillère municipale et vice-présidente de la communauté d'agglomération qui croit en notre musée, qui se déplace pour accueillir les gens. Puisque je suis dans les remerciements, je veux rendre hommage à Claude Delanneau. Alors Claude Delanneau, c'est l'ancien président de la Fédération française des véhicules d'époque, ce dernier est le parrain du musée. Il a cru dès le départ notre projet et il nous a soutenus dans toutes les démarches. Il nous a affiliés et représentés dans le guide national des musées de l'Europe. En ma qualité de conseillère municipale, je tiens tout d'abord à excuser Monsieur le sénateur maire de Laon, qui pour des raisons d'agenda ne peut être présent parmi vous aujourd'hui, et il en est profondément et sincèrement désolé. Il y a un an était inauguré le musée automobile de Laon. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer le travail entrepris depuis et qui concourt à faire de ce lieu un pôle de rassemblement des passionnés des voitures anciennes et d'époque. Le succès du musée automobile de Laon atteste de cette rencontre bénéfique pour tous, entre un porteur de projet et une collectivité, afin de s'établir sur notre territoire. Merci. Félicitations, cher Hervé. Félicitations, chère Sandrine. Merci.
Je suis surpris, c'est la première fois que je viens, et donc c'est vrai que lorsque tu m'avais interpellé sur l'opportunité d'un premier anniversaire, c'était aussi pour moi l'occasion de venir visiter ton musée, donc on fait une pierre deux coups, et c'est vraiment, je suis très agréablement surpris, et c'est vrai que ça représente un investissement personnel fort, c'est ce que tu viens de souligner. Bravo, quel dynamisme, et le dynamisme qui est le tien, c'est celui que nous recherchons, c'est celui que nous cherchons à accompagner au niveau du département, car bien évidemment, ça a été dit juste avant, le département fonctionne, les collectivités fonctionnent avec leurs initiatives, mais aussi elles doivent relayer les initiatives qui sont celles de toutes les associations, qui sont celles des particuliers sur le terrain. Et sans vous, je pense que le département n'aurait pas cette notoriété qui est la sienne. Bonjour, je pense à toi lorsque je te vois. Ah oui. Je cède la parole à monsieur le préfet de l'Aisne. Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame la Vice-Présidente d'un comité d'agglomération, Monsieur le Conseiller départemental, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, cher Hervé Boutelier, je voulais vraiment très simplement vous remercier de m'avoir invité à cet anniversaire et de me permettre à cette occasion de découvrir votre très belle collection. Ce que je voudrais faire, c'est vous faire deux compliments. Le premier, c'est d'avoir mis à l'honneur des véhicules dont on pensait jusqu'à une période encore très récente qui n'étaient pas dignes d'être collectionnés. Je m'intéresse à la voiture, vous l'avez dit, sans être collectionneur, je suis nul en mécanique. Il faut reconnaître qu'il y avait de très très belles voitures à cette époque, mais c'était pas forcément très bien vu de d'exposer aux visiteurs des voitures considérées comme banales, de grande série et trop récentes finalement pour mériter l'attention des collectionneurs de voitures. Et donc je crois que vous faites œuvre de précurseur. Vous êtes en avance sur beaucoup d'autres musées qui ont une conception peut-être un peu passéiste de la collection. Parce que finalement, l'émotion que l'on ressent pour des gens de ma génération en visitant votre musée est beaucoup plus intense qu'elle l'est dans un musée traditionnel, puisque ces voitures, ce sont les voitures de notre enfance, de notre jeunesse. J'y ai retrouvé évidemment beaucoup de modèles que j'ai conduits ou dans lesquels j'ai voyagé. Et ça, c'est irremplaçable. Vous avez pris le parti de les laisser, comme vous dites, dans leur jus, en l'état. Bon, maintenant, vous préférez les exposer tels que vous les avez récupérés. Et là aussi, je voulais vous en féliciter, parce que c'est un choix qui me paraît courageux, mais extrêmement intéressant. Et de ce point de vue, eh bien, vous créez une offre nouvelle avec ce beau musée, bien installé, accessible, à Lens. Lens qui est une ville de voitures, hein, vous l'avez rappelé, avec la montée historique, demain avec le circuit de Jonathan Palmer. Bon, voilà. Bah écoutez, c'est fabuleux, c'est un rêve devenu réalité. Vous êtes à 300 à l'heure là, monsieur le préfet. J'ai même mon complice là, voilà. Vous êtes à 300 à l'heure là. Écoutez.
Hutch dans la... Je dois être Hutch, je ne sais pas si je suis Starsky ou Hutch. En tout cas, avec monsieur le préfet, on est prêt à de belles... Dans le coffre, dans le bruit. Mais rien ne